rien à te donner, on lâche rien. L'écart est vraiment en train de grandir. C'est l'eau pour donc cette formation avec elle. C'est le champ, elle vient de remporter, donc on rappelle, le championnat d'Europe de relais mix pour Electa. Donc c'est aussi donc le 21, 4e à Dijon. C'est aussi donc en 5e du championnat de France cyclocross, donc dans la catégorie junior et cadette en 2021. Voilà, okay. Avec Lucie. Et là, pour le club de Morcourt-Mont-Benoît, passe devant le podium des arbitres avec le Dantec pour la roue d'or conférence, qui était une catégorie, donc dans la catégorie open. Position avec 3-13 de retard, on a vu le l'écart. Ah, pour l'instant, l'écart est pas si grand que ça, parce que derrière, on peut apercevoir qu'Anaïs Morichon en train de faire les faciles pour la sociétaire du Vélo Club d'Ornan. Donc en 39-12, Billon, qui va être la deuxième du Grand Prix de Mirabel Classique, vice-championne de Centre-Loire féminine, et la sociétaire Sem Motobac, que c'est Team Gazello, donc Electa, elle qui va passer pour la troisième place. Voilà, 57 secondes pour Vandenberg Joss, qui est pour l'instant donc en quatrième position, donc à l'annonce du dernier tour. Et elle s'impose aujourd'hui, alors d'une belle façon, sociétaire donc du Vélo Club d'Ornan, qui va donc chercher cette nouvelle victoire. Et là, nous allons retrouver évidemment Anaïs Morichon qui termine deuxième. Derrière Marlène Petit-Gérard, donc bravo. Et évidemment, et maintenant, on va attendre celle qui porte les couleurs, on rappelle, de Sem Motobike, qui est avec Gazello Electa, qui est, je rappelle, qui avait dans championnat de France, Europe, relais mix, le cyclocross de Besançon, vice, quatrième cyclocross d'Itenot, le cyclocross de Lino pour la sociétaire qui avait terminé quatrième du cyclocross, Vandenberg Joss, qui termine donc au pied du podium avec un retard d'une minute et 13 secondes. Elle est quatrième de l'épreuve, sociétaire, l'FDJ, et nous retrouvons donc Maëlle Grosse-Tête pour le Vélo Club Saint-Julien de Genois, qui termine donc en 7e position. Le Dossard 2 avec Brillant Manon, qui en termine aussi pour Manon Brillant, qui termine en 6e position. Deuxième open, la championne du Luxembourg, Van Zandlieve, qui termine donc 7e, que Alar Océane, qui elle termine donc pour l'instant donc en 8e position avec 2,09. Elle est 4e élite